Bonjour. Bonjour, Catherine. Eh bien, bienvenue à l'agence de rencontres Les Cieux et Ciel. Ah, je savais pas que j'allais être filmée. Ah, mais faites-vous-en pas, hein, c'est juste pour nos archives, ça ira pas sur le web. Ah bon, ok, d'accord. Donc là, je parle à la caméra directement? Oui. Ok. Alors, ma première question, c'est par quel moyen avez-vous fait vos rencontres jusqu'ici? Les réseaux de rencontres, là. Ok, lesquels? Badou, Tinder, Facebook Rencontre. D'accord. Et sur une échelle de 10, quel est votre niveau de satisfaction? 10 étant excellent et 0 étant vraiment pas bon. Je peux te dire moins 20. Oh, à ce point-là, hein? Ouais, pas mal. C'est pour ça que je suis venue vous voir. J'en avais assez de... des gens sur ces affaires-là. Parfait. Et dans le but de mieux vous connaître, pourriez-vous nous partager quelques histoires que vous auriez vécues sur ces sites? Ah ben là, vous êtes sûr que ça ira nulle part, ça-là, parce que il y en a des assez salés, bizarres, tu sais. Weird. Comme là, par exemple, il y en a une qui me vient en tête. Mais là, je peux pas dire son nom. Ben peut-être juste un surnom. Ok, bon... On pourrait l'appeler le gicleur. OK. Au début, c'était très bien. On a commencé par s'échanger sur les trucs qu'on avait en commun, ce qu'on aimait, ce qu'on aimait pas. À un moment donné, on a commencé à se dire que ce serait le fun de se voir, puis souper ensemble, puis tout. Là. Alors, il m'invite chez lui. Il me dit, amène des costumes de bain, j'ai un spa. Alors, j'en ai amené un sexy, parce qu'on sait jamais, puis un ma tante, parce qu'on sait jamais. Il me dit, ça va être super relax, à bonne franquette. J'arrive chez Monsieur Gicleur, je m'étais mis toute cute avec un One Piece, avec une petite épaule à l'air. Yeah! Woo! Yes, sir! Allô, ma grande, comment ça va? Ben, lui, il était habillé en jogging, camisole coupée, avec une casquette à l'envers, un yoke de 44 ans. Oh, mais non, c'était comme chez vous! C'était un souper pas mal à la bonne franquette, effectivement. Il a même pas mangé avec moi, il serrait déjà toute la vaisselle. Bon, on va-tu dans le spa? Je peux t'amener mon lunch. Oh ouais, puis amène ton coke aussi, je vais m'occuper du ram. As-tu amené tes costumes d'avant? Juste un... Et que ça va avec le matin. Fait que je suis dans le spa avec ma pointe de pizza puis mon coke que j'essaie de faire tenir sur le bord du spa. Je prends une bouchée puis comme de raison, mon coke tombe en bas du spa. Fait que je me sors le corps pour essayer de le ramasser. Puis là, j'entends Gicleur dire « Ouais, ça a bien l'air qu'on va boire le rum on the rock! » Là, je me retourne. Il est tout nu, debout, dans le spa. Je lâche un « Mon Dieu, c'est bien gros! » Et quoi, la bouteille de rhum? Non, sa graine! C'était énorme. On aurait dit un éléphant qui s'abreuve dans la savane. Là, il me dit... Ouais, je sais, a tendance à rétrécir un petit peu à l'eau fraîche. Oh shit! En plus, c'était la version échantillon! Il s'assit dans le spa. Oh, moi, je me tiens après le bord au cas. Puis lui, il s'allume un gros joint. Tu devrais fumer un petit peu avec moi, ça t'ouvrirait grand l'esprit. Je pensais juste à ta troisième jambe, puis je me disais, c'est pour l'esprit que je vais devoir ouvrir grand. Bon, moi j'ai fait. On rentre dedans. Un coup entré, il s'approche de moi et il me dit... Oh, Barisana, je vais te faire chicaner. Ah! D'où le surnom? Oui, mais je comprenais pas, moi, ce que ça voulait dire. Je le savais pas, moi, que je pouvais éjaculer. Là, je sais pas trop ce qu'il faisait, mais il y avait ses gros doigts dans ma noune. Puis là, il zignait après je sais pas quoi. En tout cas, j'ai pas eu de fun pantoute. J'ai fait qu'un orgasme. Ah! Puis je suis partie. Est-ce qu'il a réussi? Quoi, ça? Ben, à vous faire éjaculer. Oh. Non, mais il a réussi autre chose. À me décourager.